Je vous invite à vous asseoir et à prendre vos Bibles pour la lecture biblique. Je vais lire un texte biblique dans Psaume 133. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête, qui descend sur la barbe d'Aaron, et sur le col de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie, pour l'éternité. C'est une vraie joie de vous voir tous ce matin à l'occasion du baptême de Nicole. Qu'il est beau pour des frères d'habiter ensemble. Qu'il est beau de vous voir. Ce matin, pour le baptême de Nicole, j'aimerais parler du roi David, alors qu'il n'était pas encore roi. Elle m'a parlé d'un psaume qui est dans ses préférés. Et je vais vous parler du contexte dans lequel ce psaume a été écrit. Alors, pour qui ne connaît pas l'histoire de David, c'est une histoire du rêve américain. C'est vraiment ça. Donc, la Bible nous raconte que David était beau gosse. Donc, la Bible dit beau cieux, beau de semblant, fort, agile, poète, musicien, mais, parce qu'il fallait qu'il y ait un mais, il était paysan. Et en plus de cela, il était le plus jeune de sa famille, donc considéré bon seulement pour garder les moutons. Et un jour, le prophète arrive dans sa maison parce qu'il cherche quelqu'un, parce qu'il va lui faire une onction, c'est-à-dire il va lui demander à Dieu de le bénir pour quelque chose de spécial. Alors le papa, il va rassembler tous ses frères, tous ses fils, et quand on lui dit, mais il n'y a pas un autre fils? Oui, mais c'est quel petit, quoi. Et le prophète doit insister pour qu'on le fasse venir, parce que pour le papa, hein, qu'il reste derrière le mouton. Et il va derrière le mouton, et il arrive, il vient, il se fait bénir, mais il retourne derrière le mouton, ça ne change rien. Tout ce qu'on lui demande de faire après, c'est amener un message à ses frères qui sont partis en guerre. Il est trop jeune pour aller en guerre, donc il ne sert même pas pour aller en guerre. Et donc il amène un message de la part de son père à ses frères. Mais ses frères le reçoivent mal. Mais c'est là qu'il va accomplir l'exploit. C'est là qu'il va terrasser un géant. Et là, il passe du berger derrière le mouton inconsidéré au héros national. Là, non seulement au héros national, mais au futur gendre du roi, parce qu'il avait promis, quiconque va battre le géant, je lui donnerai la main de ma fille. Donc, il est propulsé dans le devant de la scène. Pas que ça. Après, le roi, il va le faire venir au palais parce qu'il avait une maladie. Donc, avec la musique, ça le calmait. Donc, il va devoir s'installer dans le palais. Il a les faveurs du roi et le roi va le mettre à la tête de l'armée. Et là, c'est l'apothéose. David devient le meilleur général que le peuple d'Israël n'ait jamais eu. Bon, c'était le premier en tout cas. Mais il était bon. Il était vraiment bon. Et toutes les campagnes militaires qu'il a faites, il les a gagnées. Il était tellement doué à la guerre que quand il revenait un jour des guerres, il y a toutes les femmes d'Israël, dit la Bible, qui sont sorties à sa rencontre en chantant. Il y avait le roi, il y avait David qui revenait de la bataille et elles chantaient « Saül, le roi, a tué 1000 hommes. » David en a tué 10 fois plus. Et là, le début des problèmes. Le roi devient jaloux. Il essaye de le tuer à plusieurs reprises. Il le déclare ennemi d'État numéro 1. Il demande à tout le monde de donner des renseignements si jamais il le voit. Et David, il doit se tailler, il doit partir.
et il ne peut plus se fier de qui que ce soit. Il a seulement un ami, Jonathan, le fils du roi. Et il doit quitter son ami. Il s'était marié entre-temps. Il doit quitter son épouse. Il a tellement peur, il ne sait plus de qui se fier, que quand il arrive devant un sacrificateur de l'Éternel, il va lui mentir. Et par la ruse, il va réussir à se faire nourrir et à se faire armer. Il choisit le mensonge, la ruse. Il ne se sent même pas en sécurité en Israël, donc du coup, il va aller plus loin. Vous vous rappelez qu'on a dit qu'il était le général de l'armée des Israélites. Il luttait souvent contre les Philistins. Mais il n'a pas trouvé rien de mieux que d'aller se cacher chez les Philistins. Ou, justement, dans la ville de laquelle venait le géant qu'il avait tué. Voilà, c'est pas un choix très éclairé et la Bible ne manque pas de le dire par la suite. Et manque de peau. Il se fait reconnaître. On le reconnaît, mais ce n'est pas David, celui-là qui terrassait les ennemis par milliers. Et David sent que les choses vont mal tourner. Alors, il ne trouve rien de mieux à faire, dit la Bible, que faire semblant de perdre la raison. Et voilà comment on se décrit dans la Bible. Il a fait semblant de perdre la raison devant les Philistins. Il s'est mis à divaguer parmi eux, à tracer des signes sur les battants des portes et à baver dans sa barbe. Vous arrivez à vous faire une image mentale? Ce beau gosse qui doit faire le fou furieux, à gratter les portes, à laisser que la bave coule. Au point que le roi va dire, mais j'en ai assez de fous chez moi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de celui-là? Jetez-le dehors. Il va s'enfuir. Il va s'enfuir, il ne sait pas où aller, donc tout ce qu'il trouve à faire, c'est aller dans une caverne. Il arrive, Nicole, des situations dans la vie où on se sent seul face au problème. Au point de ne plus savoir où donner de la tête. Et on essaye quelque chose et ça ne marche pas. Et on essaye une autre chose et ça ne marche pas. David, lui, il a opté pour le mensonge, la ruse, la fuite. Et ça n'a rien résolu. Au contraire, à cause de son mensonge, les prêtres qui l'ont aidé, il va se faire tuer. Et sa famille, et son village. Il est clair que nous sommes loin du jeune homme qui était à la tête de l'armée. Il est clair qu'on est loin de ce jeune homme qui n'a pas reculé devant un géant. Loin de cette noblesse de caractère qui lui a valu la considération et l'amour de toute la cour, de toute la nation. Nous sommes face à un David qui est faibli, qui est affaibli par les circonstances, par les épreuves. Une toute autre personne. Il fait voir où ça peut porter la faiblesse humaine. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de ceci? Qu'est-ce que toi, Nicole, tu peux apprendre de cette histoire? Le récit nous raconte que David a quitté donc la ville de Gath, chez les Philistins. Il s'est rendu dans une caverne, la caverne d'Adoulam. Ce n'est pas ça qu'il faut retenir comme leçon. Hein. Quand il y a des problèmes, s'il te plaît, ne pars pas aux Sardaignes à chercher une caverne pour te cacher. Ça ne va rien résoudre. Il y a d'autres choses qu'on peut apprendre. C'est vrai que dans certaines circonstances, la fuite peut nous sauver la vie, et il faut le faire. Mais tôt ou tard, il faudra revenir en arrière et faire face à la réalité. David, donc, se trouve dans une caverne, Adoulam. Vous savez ce que cela signifie, le mot Adoulam, en hébreu? Elle signifie « justice du peuple ». Le fugitif numéro un, à qui on a fait une injustice énorme, il se rend dans une caverne que tiens, c'est étonnant, elle s'appelle justice du peuple. Et certainement, David avait envie qu'on lui fasse justice, qu'on lui rende justice. Et c'est là qu'il aura le temps de respirer, de réfléchir à sa situation et de s'adresser de nouveau à Dieu. Et c'est là, Nicole, qu'il va écrire le psaume 142, qui est un de tes psaumes préférés. Je vais le lire. Poème de David. Lorsqu'il était dans la grotte, prière.
À pleine voix, je crie vers toi, Seigneur. À pleine voix, je supplie le Seigneur. Je repens ma requête devant lui. J'expose devant lui ma détresse. Quand mon esprit défaille, toi, tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Regarde à droite et vois, personne ne me reconnaît. Plus de refuge pour moi. Personne ne s'inquiète de ma vie. Seigneur, c'est vers toi que je crie. Je dis, tu es mon abri. Ma part sur la terre des vivants, sois attentif à mon cri. Car je suis très affaibli. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Fais-moi sortir de la prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer. Ça, c'est son désir, hein, que des personnes justes viennent l'entourer. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Formidable complainte. Seigneur, regarde quand même. Regarde où je suis, fais quelque chose. Fais-moi tellement du bien que des personnes justes viennent autour de moi. Parce que ceux qui voulaient aller vers lui, c'est ceux qui voulaient le tuer. Une chose est claire. En dehors de Dieu, David considère qu'il n'a plus rien. Plus personne. Bien sûr, il est avec une poignée d'hommes. Il est avec des personnes à la caverne d'Adullam, mais il se sent seul malgré tout. Seigneur, sois attentif à mon cri, il a dit. Est-ce que tu ne vois pas que si tu ne fais pas quelque chose, je vais mourir? Mais délivre-moi, fais-moi du bien. J'ai besoin que des personnes, des bonnes personnes, des personnes justes m'entourent. J'aime bien ce David que malgré la fuite, malgré la désespération, malgré peut-être la dépression, il ne perd pas de vue son Dieu. Et dès qu'il a un moment de répit, c'est « Seigneur, quand même, ne m'oublie pas. » Et j'aime bien ce David qui ne fait pas un chemin de pensée que parfois, dans lequel parfois on tombe. Parfois on va tellement loin dans nos problèmes, dans nos difficultés, qu'on arrive à se dire « Je suis arrivé tellement loin, j'ai fait des choix tellement mauvais que je ne peux pas m'adresser à Dieu. » Parce qu'il ne va pas m'entendre, parce que comment va-t-il me calculer si moi je ne l'appelle que maintenant que les choses vont mal? Avant peut-être je ne l'appelais pas. David ne tombe pas dans ce piège. Oui, il va mal. Peut-être que des choses, peut-être que là où il est, quelque part, c'est à cause de lui-même, mais il ne se dit pas « Non, Dieu ne va pas m'écouter. » Il dit « Non, non, non. S'il y a quelqu'un qui va m'écouter, au contraire, c'est bien le Seigneur. » Je pense que ça, c'est une des choses que nous pouvons retenir, que toi, tu peux retenir. Quoi qu'il arrive, même si tu es au fond du trou, même si tu te trouves en train de creuser dans le fond du trou pour aller plus bas, tu peux toujours t'adresser à Dieu. Et il t'entend. Quand on regarde l'histoire, c'est vraiment drôle. Le texte, il a une humour particulière. La caverne, Adullam, vous rappelez ce que ça veut dire? Justice du peuple. Et vous avez vu un David qui dit à Dieu, « Seigneur, fais-moi du bien, permets que des personnes justes m'entourent. » Et voilà que le récit continue en disant, « Tous ceux qui se trouvaient dans le désarroi, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents avec le roi, se rassemblèrent auprès de lui. » Et il devint leur chef. Il eut avec lui environ 400 hommes. Donc, tu es en train de t'enfuir. Parce que tu es déclaré en hors la loi. Tu pries au Seigneur, « Seigneur, permets-moi d'être entouré des personnes justes. » Et tu vois débarquer 400 personnes qui sont aussi cherchées par la justice, poursuivies par le roi, qui ont des dettes avec le roi, qui ne sont pas contents avec le système. Il y a mieux pour rester discret dans ta cachette, non? 400 personnes. Des bons à rien? On n'en sait rien. Mais voilà les personnes qui vont débarquer. Et la Bible dit en plus qu'avant que ces 400 personnes arrivent, sa famille est arrivée. Commençons par les 400 personnes. C'est formidable d'imaginer que dans la grotte qui s'appelle « Justice du peuple », il y a tous ceux qui sont recherchés par la justice. Qui se retrouve.
C'est formidable qu'au moment où David dit « j'ai besoin du réconfort », il y a des personnes qui viennent auprès de lui cherchant du réconfort de sa part. Mais ça rime à quoi? Je pense que quelque part, c'est comme si David avait besoin de se rendre compte que finalement, il n'était pas seul à avoir des difficultés, même ce type de difficultés. Et c'est vrai que parfois, quand on traverse des difficultés, on se renferme sur nous-mêmes et il n'y a que nos difficultés, nos problèmes qui comptent. Finalement, il n'y a que ça dans le monde. Et on arrête de voir autour de nous et de voir que finalement, il y a d'autres qui sont aussi dans des difficultés. Il n'est pas seul dans les difficultés. Et malgré les difficultés qu'il traverse, il se retrouve dans une situation où, au lieu de devoir se plaindre de lui-même, de sa situation, il doit s'occuper d'autres personnes. Peut-être que ça aussi, c'est une chose à retenir. Un, ne permet pas que les difficultés t'enferment en toi-même, au point que de ne plus voir qu'autour de toi, il y a d'autres que tu peux aider. Une autre chose, je vous ai dit, la Bible dit qu'avant que ces 400 personnes arrivent, c'est sa famille qui est arrivée. C'est sa famille qui a débarqué. Vous vous rappelez qu'il a crié « Je n'ai plus rien avec moi, plus personne avec moi. » Et voilà que sa famille arrive. Mais si on se rappelle, si on retourne dans le discours de la Bible, la dernière fois qu'on a mentionné les frères de David, c'est quand il leur a amené un message de la part de leur père. Et quand il arrive, les frères n'ont rien trouvé de mieux que de leur dire « Mais tu en prétendu, tu en vaux rien, qu'est-ce que tu figes là ?» C'est la dernière chose que les frères lui ont dit selon la Bible. En tout cas dans le récit. Et quand on recule encore un peu plus loin, et on va voir quel est le rapport qu'il a avec son père considère qu'il n'est même pas besoin nécessaire de l'appeler pour que le prophète soit devant lui au cas où il pourrait être béni. Même pas, il ne mérite même pas une bénédiction. Ça, c'est sa famille. Et voilà qu'il débarque. On peut le comprendre. C'est les parents, c'est la famille de David, l'ennemi d'État numéro 1 dans les représailles. Mais si quelque part il y aura des représailles, forcément la famille passera à la première. Et Saül, le roi Saül a déjà montré qu'il est capable de tuer même des prêtres. Et tout le village, les enfants, les bébés inclus, donc la famille, qu'est-ce qu'elle dit? Ici, ils vont mieux partir. Dans la détresse, là il se rappelle de David. Comment s'est-il passé ces moments de rencontre, ces retrouvailles? Il y a un autre psaume qui est attribué à la période de David dans la caverne. C'est le psaume que nous avons lu au tout début, le psaume 133. Chant de David. Qu'il est bon, qu'il est beau pour des frères d'habiter ensemble. C'est comme le parfum répandu sur la tête, qui descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée d'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car celle-là, là où les frères se rencontrent, c'est là que le Seigneur assigne la bénédiction, la vie, pour toujours. Je pense que ça se passe de commentaires. Ça montre dans quel état d'esprit, malgré tout, David a reçu sa famille. De la rencontre de David avec sa famille, je retiens ceci. Les personnes t'ont fait du tort? Pardonne. La famille ne t'a pas compris ou soutenu? Pardonne. Tu t'es senti abandonné? Pardonne. 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 Bien sûr, l'histoire ne s'arrête pas là. David, bientôt, il devra aller défendre un petit village contre les Philistins, justement. Et là, on va retrouver que finalement, David ne se trouve plus avec des personnes qui ne savent pas quoi faire. Là, il se trouve devant une toute petite armée. Ce qui veut dire que David a eu le courage et la capacité, l'intelligence de les former, de leur donner une discipline, un cadre de vie qu'il a su les inspirer pour qu'ils soient capables. Des personnes qui sont fâchées avec le système, qui sont en train de bouder contre tout, de devenir un groupe de personnes organisées, capables de se battre ensemble pour les plus faibles. C'est formidable ce changement. David arrive dans la caverne d'Adullam en tant qu'un fugitif
remplis de douleur, de crainte, se méfiant de tout le monde. Mais quand il sort de cette caverne, c'est un leader du peuple. Quoi retenir? Et ça, c'est une quatrième chose, je pense, qu'on peut retenir. Nicole, avec le Seigneur, les épreuves, les problèmes nous forgent, nous façonnent, nous rendent plus forts. À quoi arriver comme conclusion? À Adoulam, David a su s'adresser à Dieu. À Adoulam, Dieu a su lui donner ce dont il avait besoin. Et ce n'était pas forcément ce qu'il imaginait lui-même, David. À Adoulam, David est devenu un véritable leader dans tous les sens. Il a demandé à Dieu d'être son refuge. Il a demandé de le délivrer, de lui donner des personnes justes. Et dans tous ces processus, il n'y avait pas que le Seigneur qui avait des choses à faire. Lui aussi, il a eu des choses à faire. « Entends ma plainte !» a dit. Dieu a entendu sa plainte. Cher Nicole, quoi que tu traverses dans la vie, maintenant ou par la suite, n'oublie pas l'expérience de David le fugitif. Remets toujours ta vie entre les mains de Dieu. Demande-lui de l'aide. Ne te laisse pas submerger par les problèmes au point de ne plus te mettre au service des autres. Pardonne. 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 Et rappelle-toi, les épreuves vécues avec le Seigneur te forgeront, te façonneront, te rendront plus forte et apte pour la vie ici et pour la vie à venir. Que le Seigneur te bénisse. Maintenant, il faut que tu viennes. Nous voici arrivés à ce moment unique, formidable. J'espère que tout le monde pourra suivre. Donc, si vous ne voyez pas, n'hésitez pas à vous déplacer à la nuit pour vous asseoir, pour que vous ne verriez pas les restaurants de l'époque. Merci. Notre Dieu et notre Père. C'est en cette journée que Nicole dit devant tout le monde, je l'aime. J'aime mon Seigneur, j'aime Jésus-Christ. Et je veux que tout le monde sache que je veux vivre le restant de ma vie avec lui. Dans les bons comme dans les mauvais moments. Je veux qu'il soit mon soutien, mon confident, mon ami. Et non seulement mon Seigneur, je veux qu'il soit mon sauveur. Puisses-tu venir, Nicole, Seigneur, chaque jour de sa vie. Puisses-tu la venir tellement que ces bénédictions débordent et qu'elles soient une source de bénédiction pour ceux qui l'entourent, ses amis, sa famille, pour l'Église aussi. Merci, Seigneur. Merci, car en tant que pasteur en tant que ministre de l'Évangile, tu me donnes le privilège de la baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Thank you.
de la première épître de Pierre, chapitre 5, verset 8 au verset 11, la bénédiction finale. Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Verset 10. Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Par la paix du Seigneur.